pas l'effet secondaire du Welsh. Ça travaille, mais j'ai dit ça va. T'es prêt pour demain? Bah ouais, tout est chargé dans la bagnole. Oh, pas que j'oublie de prendre mes fringues, surtout. Enfin, que je les mette demain, mes fringues, surtout. Donc, normalement, ça devrait aller. Ouah, le poil blanc que j'ai là! Oh. Ah bah, il est cassé. C'est un bout de poil blanc. Mais ouais, ouais, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Normalement, j'espère n'avoir rien oublié, parce que... Ça m'est déjà arrivé une fois d'arriver sur... parce que j'en faisais beaucoup au bout d'un moment. Il y a 10 ans, je faisais de l'airsoft tous les deux week-ends et tout. Et le truc, c'est que... Une fois, j'ai oublié mes batteries. Et ça, c'est terrible. Est-ce que le parrain montrait ses vannes à sa filleule? Non, même pas. C'est vrai que j'ai pas fait le coup. Mais elle s'en fout un peu à son âge. J'en connais certaines qui en rêvent. Mais là, j'ai beaucoup de poils, beaucoup de poils blancs, là, ici. Ça commence à descendre, là. Et là, la barbe, là, je commence à avoir deux barres, là, blanches. Bon, d'ici 2-3 ans, je pense que là, elle commencera à être bien, bien blanche. Après, c'est normal, je vieillis, hein. Je deviens un vieux. Vu que c'est Marina qui va gagner, elle est super heureuse. Oh, non, hein. Oh, parlez pas de ça. Vous savez que je redoute réellement ce tirage au sort, hein. En vrai, je redoute réellement... Je suis excité de le faire. J'aime bien faire gagner des trucs aux gens. Mais j'ai vraiment, vraiment peur qu'elle gagne. Hein. Ça donne envie de gagner. Bah oui. Ouais, on les voit, les poils blancs. Hein. Regardez, tous les poils blancs. Ils sont en dessous, en fait. Ils sont en dessous, les poils blancs. Libby dessine vraiment bien. Oui. Oui. Elle m'a demandé quand même avant de faire que je fasse ça. Elle me dit, tu connais Kyo? Je fais, oui, je connais Kyo. Oui, je connais Kyo. Lola vous a fichu dehors. Hein? Non, c'est eux qui sont venus chez nous. Pour être à domicile, pour manger le Welsh. On dit merci qui? Merci Jackie Michel. Moi, j'avais des chaussettes Jackie Michel. Et elles ont disparu. Le jour où Laura a vu ça, bah, je les ai mis au sale et en fait, elles ont disparu. Je me pose pas trop de questions. Je me doute d'où elles sont passées. Mais je crois qu'elle les a pas appréciées. Mais oui, c'est ce que j'ai dit à Libby. Non mais Guillaume, s'il te plaît. Hey, oh. C'était notre groupe. Putain, elles sont crado mes lunettes. Elles sont tout... Oh là 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 là. Ah, je supporte pas avoir des lunettes sales comme ça. Bon, je vais aller chercher un truc, comme ça, ça me laisse l'occasion de vous montrer mes Vans. Comme ça, je prends un t-shirt propre. Bon, c'est vrai que le PQ, ça marche bien. Hein. Kyo, je trouve, ça ressemble à Indochine. Bon, ils sont beaucoup inspirés, hein, de toute façon. Ah, c'est mieux. Non, j'ai pas coupé la longueur de bord. Il offre 20 voitures. Ouais, 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 20 voitures, oui. Des voitures en tuiles. Ça va, vous me prenez pour boiserie ou quoi? Oh! Oui, j'ai des nouvelles Vans, vous aviez pas vu? Vous voulez les revoir? Ah, c'est mieux. Mais j'ai refait une tache sur l'autre maintenant. Ah! Ah! Ah, beaucoup mieux. Ah! Non? Ah, je crois que vous vouliez revoir mes Vans. Et vous voulez avoir un petit aperçu de la routine ménage de Laura? Elle est montée avec la voix off. Montre-les. Ah, regardez mes belles Vans. Ah, ça oui. Bah, faut juste attendre un peu. Je suis en train de charger les fichiers de son replay d'aujourd'hui, là. Je me suis quand même fait un pense-bête, là, regardez. J'ai un petit pense-bête sur mon PC, parce que sinon, j'oublie ce que je dois faire. Là, et en fait, c'est tellement... Avant, j'avais ma routine. Le lundi ou le dimanche, je monte toutes mes facecam la semaine. Tous les jours, il y a le vlog à monter. Et basta. Maintenant, en fait, il y a toutes les facecam à monter le dimanche ou le lundi. Tous les jours, il y a des vlogs. Mais il y a aussi les replays des lives de Laura, les vidéos de Laura. Il y a aussi des shorts, des TikTok à faire. Oh. Et puis, c'est pas le même format. Monter des shorts et des TikTok n'a rien à voir avec monter une facecam normale, tu vois. Donc, c'est chiant. Donc, c'est pour ça que je me note tout, parce que sinon, j'oublie.
Des baskets, quoi. Une moto, quoi. Des baskets, quoi. Une voiture, quoi. Un vlogueur, quoi. Et on a tourné aussi la vidéo Action vs Guy Devard. Regardez. Attendez, je vous montre la miniature de ça. Je peux vous montrer. Regardez. Hop. Voilà. Tada. Ouh là là. C'est de toute beauté, oui. Ouais, je trouve aussi. C'est vrai, je trouve ça très quali. Franchement, je trouve qu'on a géré. 51 subs. Hein. Allez, encore 9. Et je perds pas d'argent comparé à Twitch. 9 petits subs. Et je perds pas d'argent. T'as raté quelle vidéo, Marina? En tout cas, ce soir, j'ai pu prouver et montrer à Lola et Mickaël que lorsque tu laisses un plat de frites à côté de Laura, elle tape dedans. Merci beaucoup, Alizelle. Non, regardez, elles sont là, regardez les vidéos qui sont programmées. Là, on a du coup demain le vlog qui s'appelle « Bricolage à deux doigts de faire péter la maison ». Ensuite, demain à 10h, vous avez la routine ménage d'une maman famille nombreuse, donc la vidéo de Laura. Ensuite, YouTube me donne des conseils à 15h. Et la vidéo F de Pâques, c'est dimanche. Et la vidéo action, c'est lundi. Le 25, c'est lundi. Hein. Ouais. Action contre Guy de Marle, c'est lundi. Et tout est programmé. Ah, mais c'est... Ça fait beaucoup... Je fais quand même beaucoup de vidéos. Hein. Et les shorts aussi. Les shorts, j'ai de la programmation jusqu'au 4 avril. Voilà, tous les shorts qui sont prêts jusqu'au 4 avril. Eh oui, hein. Recul, vous ne regrettez pas la Black Trophée? Non. Parce qu'en fait, quand même, il faut quand même se rendre compte qu'on est 7. Et du coup, quand on cuisine, on a besoin de grosses poêles, de grosses sauteuses, de grosses casseroles. Et honnêtement, même avec une 4 feux, on n'aurait pas la place de mettre autant de casseroles et autant de poêles et tout. Là, moi, j'utilise principalement que 2 feux sur 3. Déjà, j'utilise quasiment jamais le troisième. À part pour maintenir à température des sauces, des trucs et tout. Mais non. Ou alors, il faudrait une très large, tu vois. Et encore. Non, franchement, ça va très bien avec 3 feux. Hein. Non, aucun regret, je trouve que c'est très bien. Pas de problème. Pas de problème, il m'a tapé. Ah! Vous verrez pour Action, vous verrez Guy de Marle vs Action. Vous aurez le résultat dans quelques jours. Eh oui. Eh oui, oui. Faudra patienter. Je vais pas vous mettre 4 vidéos par jour non plus. Hein. Ce que j'ai dit à YouTube quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, oh, tu produis quand même beaucoup de contenu, tu fais beaucoup de vidéos tous les jours. Je dis, ouais, et encore. Hein. J'ai, si je voulais pas avoir autant d'avance, parce que là, j'ai quand même beaucoup d'avance hein, sur les facecams, j'avance jusqu'au 29. Et j'ai dit, il faudrait que je mette 4 vidéos par jour. Et là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Moi, j'ai 5 feux, mais j'utilise le même. Et mon mari, c'est un autre. Tu as 5 feux. Oh mon Dieu, ouh là là. Non, mais en vrai, à Châtel, j'avais 2, 3, 6... J'avais 6 feux, plus encore 2 feux avec une plancha dessus. Je me servais jamais de tous les feux. C'est un ou deux, parce que généralement, t'as une casserole où tu fais du riz, des pâtes ou des trucs, et t'as une autre, c'est une sauteuse, où tu fais les champis, les oignons, les trucs et tout, en fait. Non, franchement, après, nous, on s'est... Peut-être que si on avait une 4 feux, 5 feux, 6 feux, 8 feux, 10 feux, 12 feux... Peut-être qu'on se dirait, ouais, non, c'est vrai que c'est vachement plus pratique, mais nous, non, en fait. Donc, j'ai 4 feux, je me sers que de 2 feux. Ouais, voilà, après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, hein, de toute façon. Et encore, nous, qu'on a commandé la cuisine, qu'on a reçu le matos avant qu'il la monte, ils nous ont livré la mauvaise plaque. Ils nous ont livré une 4 feux. Et on l'a rendue. J'ai une plaque 6 feux sur ma gazinière en or et diamant. Quand on avait le restaurant, on en utilisait plus. Oui, bah après, c'est sûr que si tu veux 20, 30, 40 couverts, oui, je dis pas le contraire. Les fois où je me suis dit, putain, il me faudrait quand même 2 feux de plus, c'est vraiment quand t'as énormément de monde à la maison, tu vois. Mais sinon, non, ça joue. Hein. Non, après, comme je dis, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Et aujourd'hui, Laura est sûrement contente, j'ai mis un pantalon à ma taille et un t-shirt à ma taille. Parce qu'elle m'a quand même fait la remarque hier. Mais sinon, tu comptes mettre des fringues à ta taille ou... Ouais, c'est comme ça hein, qu'elle me parle. Ah ouais. Ah ouais.
Le Welsh fait demain. Non, non, moi ça c'est rapide la digestion. Non, en vrai, je sens que ça travaille, je commence à avoir envie de chier, mais ça va, c'est supportable, hein. C'est pas du tout comme... Je vous dis, moi, le truc c'est que le lait, je supporte plus. Le lait, en fait, le lait, si je prends un bol de lait avec des Kellogg's ou autre, je vais avoir sur l'estomac, ça va me rester sur l'estomac, je vais être... C'est comme si t'avais trop bouffé, ensuite ça descend, ça file la chiasse. Voilà. Et le fromage fondu, et surtout le fromage qui dégorge beaucoup d'huile, donc les fromages frais et tout ça, là, le fromage à raclette, machin et tout, qui sont très huileux, très gras, je rajoute en plus de l'huile dessus, donc par exemple quand on fait un risotto et que je mets de l'huile de truffe sur le risotto, ça me déglingue. Là par contre j'ai vraiment mal au boyau, j'ai super mal à l'estomac, ensuite super mal aux intestins, ça gargouille de partout et tout. Et je me suis rendu compte aussi, c'est que maintenant, les chips, pareil, si je mange des chips nature, ou même des chips normales, j'ai, comme le lait, ça me reste sur l'estomac, j'ai l'impression de me sentir trop compressé, trop ballonné et tout. Les pistaches aussi maintenant, ouais, étonnamment, les pistaches, dernièrement, quand j'en ai pris, ça m'a fait exactement le même effet, trop... Oh, vache. Ouais, le Welsh, c'est la story du truc qui colle, ouais, c'est ça. Donc je commence vraiment à avoir... plus je vieillis, en fait, ce que je disais à ma mère au tel tout à l'heure, plus je vieillis, moins je supporte, du coup, les aliments gras et tout ça. Encore plus depuis que j'ai perdu du poids. Ma mère, elle m'a dit, oh, t'as trop abusé pendant des années, quoi. Ouais, syndrome de l'intestin irritant, peu importe ce que ça peut être, mais dans tous les cas, je sais que j'ai du mal. Non, je ferai aucune analyse, rien du tout, c'est juste que je vais aux chiottes, et puis c'est tout. Et encore, hein, depuis que j'ai perdu du poids, ça va déjà beaucoup mieux à ce niveau-là. Avant, j'allais aux chiottes 4-5 fois par jour. Hein. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc le Welsh, en fait, c'est du cheddar. Bière blonde, cheddar, pain de mie, jambon, moutarde... Et un œuf. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Je trouve que le mélange moutarde, œuf, jambon, pain, cheddar et tout se marie trop bien. Et c'est vrai que c'est super bon. C'est très, très, très bon. Un canard, il mange. Oui, bah c'est ce qu'on me disait. On croirait un canard. Ah oui, bah oui, bah, qu'est-ce que je te dise. Ah, il y a un chat. Oh, bah il m'a vu. Et qu'a lu l'ouvreur. Tu rentres pour voir maman. Elle est pas dans le lit. Ah, le kéfir, depuis quelques semaines, ça marche très bien pour limiter les crises. C'est un truc oriental, non, le kéfir. Ah non, je confonds avec kefta. La charcule, hein, je sais pas quoi. Oui, ça sort, j'ai pas de constipation, j'ai rien du tout, voilà. Tout va bien. Ah, un probiotique. Ah. Même pas un coucou du chat, je sais même pas où il est. Ah, toi. Ah, bonjour, Jean. Calut les losers. Voilà. Ah, mais c'est parce que Laura le boit, là, le lait fermenté ou je sais pas quoi, là. Fait le cœur de probiotique. Mais non, j'ai toujours été comme ça, de toute façon, là, ça va. C'est juste que plus je vieillis, et moins je supporte le gras et tout. C'est mon corps qui dit, écoute frérot, ça fait longtemps que t'abuses, maintenant tu vas arrêter tes conneries. Hein? À partir de la semaine prochaine, je vais reprendre la marche, là, 10 000 par jour. Déjà cette semaine, j'en ai fait beaucoup plus de pas. Mais je vais reprendre la marche à partir de la semaine pro. Enfin, quel temps ils annoncent la semaine pro? Ouais, ça va, au moins ils gèlent plus, quoi.